Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans cette vidéo consacrée à Ciel Compta, on va aborder les saisies en mode standard. Dans les vidéos précédentes, on avait vu les saisies en mode cahier. Là, pour ceux qui veulent travailler ou qui préfèrent travailler en mode standard, on va aborder ce thème. Voilà. On ouvre donc son logiciel. Comme d'habitude, il y a toujours une fenêtre d'information. Si vous ne voulez plus qu'elle s'ouvre, il suffit de cliquer là-dessus, ne plus afficher au démarrage, et vous fermez. Sinon, bon, il suffit de faire un petit clic et c'est fermé, c'est pas gênant. Ça nous emmène sur le bureau, et comme vous voyez, il y a de suite un assistant qui s'ouvre et qui vous donne le choix de ce que vous voulez faire. Voilà. Donc ça déjà en premier, c'est un mode de saisie. S'il s'agit d'une écriture de vente, une écriture d'achat, encaisser un client, saisir une écriture sur votre compte bancaire, une autre opération si vous ne trouvez pas là ce qui vous convient, vous faites le suivant. Enregistrer les charges, une réduction commerciale, voilà ce que vous voulez. Il y a aussi d'autres, une autre opération, vous passez aux autres. Des charges à répartir et vous faites OK. Bon, sinon vous n'êtes pas obligé de faire ceci, vous le refermez. Vous pouvez également enregistrer par là. Je précise juste pour ceux qui sont en mode de cahier, qui veulent passer en mode standard, il suffit qu'ils aillent là dans divers, évidemment là je l'ai pas, et ils vont voir conversion en mode standard. Il suffit de cliquer dessus et de suivre. Vous saurez que c'est irréversible. Une fois que vous êtes en mode standard, vous pouvez plus repasser en mode cahier. Voilà, par contre, pour ceux qui sont pas à l'aise, vaut mieux qu'ils restent en mode cahier. Voilà, je disais donc, vous avez le choix d'enregistrer directement par là en cliquant sur enregistrer une facture client, ce qui correspond à, je vais vous montrer, vous allez dans saisie, facture client rapide. Voilà, donc ça s'ouvre exactement pareil. C'est un assistant qui vous guide. Il y a aussi la facture client, tout simplement. Voilà, et je vais vous donner tout de suite. Voilà, celle-ci. Voilà. Personnellement, je préfère celle-là. Parce que dans la, je vais vous expliquer pourquoi. Dans la mesure où vous avez un client que vous avez, à qui vous avez créé un compte, bien sûr, en faisant ceci, en le rajoutant à votre liste, là, ça peut aller. Mais sinon, si c'est un client divers, un client de passage, quelqu'un qui n'est pas un client habituel, il est préférable enregistrer sur facture client simplement. Pourquoi? Parce que là, il suffit de rentrer client divers ou juste client, ce que vous voulez. Voilà. Et vous avez quand même la possibilité de rajouter son nom ou le nom de sa société ici. Tandis que sur l'autre, non. Voilà, je vais vous montrer l'autre. Facture client rapide. Voilà. Une fois que vous avez fait genre client divers, par exemple, et là, c'est client divers qui prend le libellé. Voilà. Donc, ça se passe pareil. Il suffit de rentrer. C'est très simple, finalement, la saisie en mode standard. Hein. La date. Le TTC. Voilà. Vous avez de suite le hors-taxe qui s'affiche si vous êtes exonéré. Vous laissez comme ça. Sinon, vous mettez sur 19,60 ou 5,50. Selon votre cas, et il y a la TVA qui s'affiche. La contrepartie, bien sûr, il s'agit de quoi? Là, c'est une facture client. On va dire que c'est une vente de marchandises. Donc, vous cliquez sur le numéro de compte, vente de marchandises, et là, il suffit de faire après. Comme vous voyez, là, il n'y a pas besoin. Le code analytique, c'est en plus. Donc, il est toujours préférable de rester en mode brouillard. Voilà, comme je vous ai déjà expliqué, quand vous avez des erreurs, vous pouvez toujours effacer.
Ou alors, à la rigueur, vous pouvez travailler en mode simulation. Simulation, c'est-à-dire, c'est un peu comme le mode validation, mais là aussi, vous pouvez quand même effacer en cas d'erreur. Par contre, si vous êtes en validation, là, c'est trop tard. Voilà, c'est-à-dire, bon, malgré tout, on peut se rattraper, il y a moyen de se rattraper, mais il n'est pas conseillé de travailler en mode validation. Voilà. À part si vous êtes vraiment un expert. La différence, comment vous reconnaissez? Vous allez dans la liste des écritures. Quand c'est en jaune, vous êtes en simulation. Quand c'est rouge, vous êtes en validation. Et en brouillard, ça reste noir. Voilà. Donc je disais, pour terminer l'enregistrement de cette facture client, il suffit de faire OK. Voilà. Ça. Dans mon cas, je ne vais pas le faire. Parce que je travaille sur un dossier réel et non pas sur une démo. Facture fournisseur rapide, c'est la même chose. Au lieu juste que ce soit une facture client, c'est facture fournisseur rapide. Voilà. Et moi, je préfère, comme je vous ai dit, facture fournisseur. Comme ça, je peux rajouter un libellé. Je vais vous faire un exemple. J'ai acheté, par exemple, allez, un fournisseur que je connais pas, enfin c'est la première fois que j'achète chez lui par hasard. Voilà, donc là c'est marque fournisseur, le numéro de facture, tac, voilà, le libellé, oui, je peux l'effacer. Il prend par défaut, il prend toujours le numéro de facture comme libellé, mais par contre je peux le changer. Voilà, on va dire j'ai acheté chez CTD distribution. Voilà la date. J'ai acheté le 14 aujourd'hui et l'échéance. Je sais que si vous payez le jour même, c'est une chose, vous laissez la date comme ça. Sinon, vous rentrez la date à laquelle vous allez faire votre paiement dans 2 mois, par exemple. Le total en TTC 789, on va dire ça. La seule chose qu'il faut rajouter, c'est quand vous venez ici, voilà, il s'agit de quoi? D'un achat de marchandises, d'un achat d'une immobilisation corporelle, de frais, n'importe, enfin, il suffit de renseigner le champ compte. Voilà. Si vous ne trouvez pas dans cette liste, vous affichez la liste complète et vous choisissez là-dedans. Voilà. Là, je suis sur les charges. Sinon, si c'est une immobilisation dans les IMO, voilà, et vous regardez de quoi il s'agit, il suffit de renseigner le champ pour que vous puissiez enregistrer. Sinon, il y a un message d'erreur qui va s'afficher auparavant. Donc, je dirais que c'est de la marchandise, 607 000, voilà, mais ça s'affiche ici, achat marchandise, enregistré, et vous avez votre saisie. Voilà. Il y a aussi une autre saisie. Voilà. Admettons que vous encaissez un montant. Vous cliquez dessus. Voilà. Si, dans mon cas, j'ai pas de clients là, pour le moment. Sinon, il y a toute la liste de mes clients qui va s'afficher ici. Ceux qui sont redevables, bien sûr. Là, il y a un mode de recherche. Au lieu de chercher un par un, il suffit de regarder le montant. Vous pouvez choisir par montant ou par numéro de pièce, ou alors les clients qui n'ont pas réglé à telle ou telle date. Voilà, comme ça, il va vous affiner la recherche. Et à partir de là, si par exemple j'ai un client qui doit me payer et qui me doit 325 euros. 325 à peu près, vous vous rappelez vaguement. Donc il y a un écart, vous pouvez rajouter genre allez, 50 euros. Donc il veut vous afficher tout ce qui est autour de 375 euros ou alors 275. Il y a un écart de 50 euros. Voilà, il vous sortira que les factures qui portent ces montants-là. Si vous voyez pas tout ça, ouais, vous cochez là-dessus pour affiner la recherche. Si vous voulez, par exemple, rechercher par d'autres critères, par date ou par numéro de pièce. Voilà.
Donc, une fois que vous aurez votre client qui s'affiche là, vous cliquez dessus et vous faites régler. On va voir ça avec encaisser, avec régler un montant, vu que j'ai des fournisseurs en attente. Voilà, pour que vous puissiez bien comprendre. Liste, plutôt saisie, pardon. Régler un montant. Voilà. Vous voyez, voilà, j'ai des fournisseurs à régler. Dans mon cas, je vais affiner la recherche. Si je veux par numéro de pièce, je rentre par date, je rentre. Sinon, allez, disons que j'ai à peu près un client, parce que là j'en ai peu, mais si vous en avez beaucoup, c'est une liste, vous voyez pas tout ce qu'il y a. Donc à peu près par numéro, par montant, vous dites voilà, un client qui se situe aux alentours de 320 €. L'écart, on va dire, il est de 30 €. Voilà. Et là, j'ai Carole qui s'affiche à 320 €. Il se trouve que c'est celui-là que je cherche. Je clique dessus et je fais régler. Et là, la facture va se régler. Voilà. Un autre mode de saisie. Donc, c'est pour ça que moi, ça, je vous ai montré facture client ou facture client rapide. Voilà. De ma part, je préfère facture client. Paiement. Voilà. Paiement. Si vous devez payer un client, pareil aussi. Vous savez, plutôt un fournisseur, vous savez de qui il s'agit. Soit vous le rentrez, ou alors vous allez le chercher. En général, si c'est un fournisseur habituel, il va s'afficher là, vu que vous lui avez créé un compte déjà. Si ce n'est pas fait, vous faites créer. Là, et vous lui créez un compte, ça vous facilite la tâche pour après. Voilà, donc vous le choisissez là-dedans. Une fois que vous l'avez choisi, il va s'afficher son libellé, le mode de paiement. Voilà, donc chèque, virement, traite. Voilà, la date, valeur. Vous la rentrez et puis le numéro de pièce de la facture, le montant de la facture. Si c'est juste une avance, admettons que vous lui devez 500 € et vous voulez payer que 250, vous rentrez 250. Là, le montant réglé va s'afficher sur 250. Voilà, et l'écart, bien sûr, vu qu'il nous reste 250. Il affichera toujours 250 d'écart. Vous faites enregistrer et le paiement sera effectué. Il y a aussi, je vous ai parlé l'autre fois du relevé bancaire. Donc voilà, si vous voulez rentrer un relevé bancaire et que vous le recevez à la fin du mois, comme ça, ça vous permet de faire le pointage. Le pointage sur votre cahier de banque. Voilà. Vous faites suivant. Si vous voulez saisir manuellement, vous continuez. Voilà. Le relevé, on va dire que c'est un relevé du mois de février. Donc voilà, on clique sur février. Donc c'est février jusqu'au, attendez, voilà, jusqu'au 28 février. Voilà, il s'agit de ce relevé là Vous notez les références du relevé, vous faites OK, voilà, et là vous rentrez manuellement tout ce qu'il y a sur votre relevé bancaire, en respectant bien débit crédit, voilà. Sinon, ce qui est bien, si vous recevez, vous avez la possibilité de recevoir votre relevé bancaire en fichier, ça c'est encore mieux. Donc vous voyez avec votre banque. Il suffit d'importer le relevé bancaire, c'est-à-dire en fichier, si vous l'avez sur votre bureau, sur une clé USB, peu importe, vous faites suivant le format du relevé. Est-ce que c'est un format standard, format BNP, vous pouvez créer d'autres aussi, hein, si vous êtes dans d'autres banques. Vous faites OK, d'accord, suivant, vous indiquez le chemin et vous l'importez. Comme ça, ça vous évite de faire les saisies manuellement, vous avez un gain de temps énorme. Voilà. J'annule. L'autre mode de saisie, voilà, saisie de caisse. Voilà.
saisie Z-caisse. Ça, c'est dans la mesure où vous travaillez avec une caisse enregistreuse. Si vous avez déjà la suite de Ciel, je vous conseille d'aller autant qu'à faire, autant travailler avec le logiciel Ciel point de vente. Parce que les deux, ils communiquent entre eux. Donc il suffit aussi d'importer le rouleau. En fait, ce qu'il faut saisir ici, c'est le rouleau de la caisse enregistreuse. Vous voyez? Donc si vous voulez plus d'informations là-dessus, vous allez sur le site de Ciel, voilà, et vous allez vous renseigner concernant le logiciel point de vente. Et bien sûr, chacun trouvera le logiciel adapté à son activité. Voilà. L'avantage de tout cela, voilà, comme ils le disent ici, voilà, ça permet le transfert directement et le plus naturellement possible. Voilà. Ceci fait, il y a aussi le journal des à nouveau. Voilà, pour faire la saisie des à nouveau. Et à nouveau, je vous ai expliqué déjà. Bon, admettons que vous avez fait une formation, tout ça, maintenant vous avez des connaissances en comptabilité, vous décidez vous-même de faire votre comptabilité par souci d'économie, ce qui est normal. Chaque entreprise est à la recherche des économies. Bien que je vous conseille de garder votre comptable, de toute manière vous en aurez besoin, ne serait-ce que quand vous serez débutant, de faire vérifier vos écritures avant de les valider ou de clôturer l'exercice. Voilà. Donc le journal des à nouveau, c'est un journal qui est généré automatiquement par Ciel à la fin de chaque exercice. Une fois que vous avez clôturé, ça vous génère un journal qui résume un peu toute votre situation. Donc ce journal, une fois généré, vous le récupérez. Par exemple, vous décidez de prendre en main votre comptabilité, voilà, début d'année prochaine, ce qui fait que vous regardez toutes les données, tout ce qui est sur le journal, à nouveau, vous l'imprimez et vous renotez tout en respectant bien sûr le débit et le crédit. Voilà, et comme ça, quand vous repartez sur de bonnes bases, c'est-à-dire sur un travail équilibré et juste. Voilà. Après, vous faites vos saisies normalement. Une fois que vous avez saisi ce journal-là, vous enregistrez les écritures en bas. Voilà. Et à partir de là, vous repartez au plus juste. Voilà. La saisie standard. La saisie standard, c'est un peu comme la saisie au kilomètre. Voilà. Ça se présente ainsi. Donc, là, ça vous met sur un journal d'achat. Vous changez le journal selon l'opération que vous voulez enregistrer. Si c'est sur le cahier de banque, caisse, si c'est une vente, si c'est un achat. Voilà. Admettons que c'est un achat. Le libellé, le numéro de la pièce. Ok. Alors, ce qui est bien, pour ceux qui débutent, c'est de faire un clic droit. Vous faites un clic droit et vous faites saisir à partir d'un modèle pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Voilà. Admettons que c'est un achat de marchandises, vous faites OK. Voilà. Et un assistant qui vous guide. On va voir la saisie au kilomètre, c'est tout à fait la même chose. Voilà. Vous voyez, c'est pareil. Là, il s'est mis automatiquement sur, par défaut sur le journal des opérations diverses. La même chose. Il suffit de changer de journal, voilà, celui que vous voulez, celui qu'on a, en tout cas dont vous aurez besoin. Voilà, on va dire un journal de banque, le libellé, le numéro de pièce, clic droit, saisir à partir d'un modèle. Voilà, et vous avez toute cette liste-là, vous avez un choix. Voilà, il suffit de choisir, par exemple, facture EDF. OK, voilà. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les saisies. Afin de terminer, je vais juste vous montrer un petit peu la manière de clôturer un exercice. Mais avant cela, je tiens juste à vous montrer autre chose. Vous allez sur le tableau de bord,
Voilà, si vous voulez voir directement l'échéancier, vous regardez en bas de la liste. Donc vous aurez tous les clients qui vous doivent de l'argent, les clients à relancer et tous les fournisseurs à qui vous-même vous devez de l'argent. C'est-à-dire, vous aurez les fournisseurs et les factures fournisseurs à échéance. Moi, dans mon cas, j'en ai quelques-uns ici. Je dois à mes fournisseurs 1349, dont une facture à échéance à 612,23. Pour les régler, il suffit de double-cliquer sur « Je dois à mes fournisseurs ». Voilà. Et vous vous retrouvez sur le même assistant que « Régler les montants », celui que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vous faites la même opération et vous réglez. Voilà. Dans la mesure où j'avais des clients, ils seraient là. Voilà. Autre chose, sur, si vous voulez faire des relances à des clients, voilà, sur la barre de navigation qu'il y a sur le côté gauche, je vous précise que si vous ne la voyez pas, il suffit de faire un clic droit et d'aller la cocher. Voilà, là je l'ai décoché, elle a disparu, et je la coche, elle revient. Voilà, ou alors par les onglets supérieurs. Bon, c'est pratique de la voir sur le côté gauche. Pour relancer des clients, je fais relancer mes clients. Il s'agit d'une première lettre, une deuxième ou d'une troisième, voilà. Admettons que c'est une première lettre aperçue, voilà. Après, vous avez le choix. Tous les clients, tel client par exemple, si vous avez qu'un seul client à relancer, voilà. Les critères, les factures non réglées à telle date, les factures qui sont dépassées de tant de jours, les clients... C'est-à-dire en mode de paiement, tous les modes de paiement, vous choisissez juste un mode de paiement, ceux qui payent juste en traite ou en chèque ou peu importe. Voilà. D'un montant minimal aussi, de l'encours client autorisé, et vous faites OK. Voilà. Et ça vous génère la lettre de relance que vous allez imprimer. Dans mon cas, il n'y aura aucune facture à relancer. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'assistant qui sort. Sinon, vous aurez une lettre relance qui s'affiche. Voilà. Il suffit de l'imprimer et vous l'envoyez à vos clients. Voilà, on va donc aborder la clôture de l'exercice. Pour cela, il faut commencer par valider vos écritures. Voilà. Donc avant de les valider, je vous conseille d'aller faire vérifier tout cela par votre expert comptable, bien sûr. Une fois son aval donné, vous allez dans traitement, voilà, validation du brouillard. Vous cliquez dessus. Voilà. Voilà, il y a un petit assistant qui vous prévient que la validation est une opération irréversible, ce qui est normal. Voilà, vous validez les écritures une fois pour toutes. Dans mon cas, je ne vais pas le faire parce que je suis sur un dossier réel et que ce n'est pas encore le moment de valider ni de clôturer. Donc, il suffit de suivre. Vous faites valider et toutes les écritures validées. On va aller dans la liste des écritures. Vous verrez que toutes ces écritures vont passer au rouge. Voilà, ça veut dire que c'est validé. Voilà. Une fois validé, donc vous avez soit un assistant. Vous allez donc dans fin d'exercice sur le côté gauche. Voilà. Ou alors toujours ici, fin d'exercice, traitement, top clôture. Vous le retrouvez. Soit top clôture, soit clôture. Voilà. Voilà, il vous prévient, voilà, clôturez votre exercice au 31-12-2010, toutes les écritures intérieures doivent être validées, donc s'il y a des écritures qui ne sont pas validées, il ne peut pas clôturer, il faut être sûr que tout est validé, vous faites suivant, voilà, et puis, à partir de là, suivant aussi, je ne vais pas le faire, par contre, moi, je prends toujours la précaution, malgré tout, de tout imprimer avant. Voilà. Même si normalement il y a une imprimante qui est liée à votre ordinateur, du coup, avant tout ça, il doit imprimer. Mais moi, j'imprime toujours avant, je me méfie toujours. Donc, je vais sur mes états et statistiques. Je commence par imprimer d'abord le grand livre, la balance, les journaux. Évidemment, les journaux dans le journal. Je vais vous montrer, il n'y a rien qui s'affiche quand vous êtes en mode brouillard. Voilà, le journal est vide. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que vous êtes en mode brouillard et tout s'affiche là-dedans. Si vous voulez voir les journaux, vous allez dans le brouillard. Voilà. Et vous avez tous les journaux qui s'affichent. Dans ce cas-là, après, il n'y aura plus rien en brouillard. Ce sera les journaux. Vous les imprimez. Il faut également imprimer le bilan synthétique, le compte de résultats synthétique. Après, si vous voulez, le solde intermédiaire de gestion aussi. C'est bien. Vous avez le choix d'imprimer aussi le centralisateur si vous voulez, oui ou non. Et surtout d'imprimer l'étape préparatoire. Donc, si vous êtes en régime normal, c'est le 2050. On a vu déjà comment paramétrer tout cela dans les vidéos précédentes. Si vous êtes en simplifié, c'est l'étape préparatoire. 2003, comme dans mon cas. Voilà. Donc, c'est exactement l'imprimé que vous recevez par la direction des impôts. Donc, vous l'imprimez et vous le mettez de côté. Voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, donc on retourne. Voilà. Traitement, fin d'exercice, top clôture, voilà, ou alors clôture, comme vous voulez, c'est pareil, suivant, voilà, et toutes les écritures vont être clôturées. À partir de ce moment-là, si vous allez dans la liste de vos écritures, il n'y aura plus rien. Donc vous redémarrez sur une nouvelle année, sur de bonnes bases, il y aura juste le journal des à nouveau qui s'affichera. Voilà, il n'y aura que ça. Bon, ne manquez pas. Mais sinon, c'est tout ce qui s'affichera. Voilà. J'espère avoir fait le tour. Je pense que j'ai fait quand même le tour de tout cela. Voilà, j'espère que ces vidéos vont vous aider à travailler sur Ciel Compta. Et je vous remercie d'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt sur netprof.fr avec d'autres vidéos. Au revoir.